Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je me présente, Manu du site WannaRun. J'interviens sur cette chaîne, mais également dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une chaussure polyvalente, légère, rapide, avec une plaque de carbone, et le tout à un prix accessible. Vous allez sans doute me dire que tout cela semble compliqué, et pourtant, Puma a réussi le tour de force de proposer toutes ses qualités pour seulement 160 euros. Alors que les chaussures à plaque de carbone vont parfois flirter avec les 300 euros. À cela s'ajoute une durée de vie parfois un peu en dessous des attentes des utilisateurs. Même si la marque Puma est historiquement un acteur de la course à pied, Puma agit en challenger sérieux en lançant un produit très technique à un prix en dessous du marché. Puma a clairement confiance en ce produit et souhaite sans doute gagner des parts de marché en le mettant à un prix choc pour attirer de nouveaux coureurs auprès de la marque. Les couleurs de ce modèle vous rappellent sans doute quelque chose. C'est le coloris que la marque a utilisé au championnat du monde de Eugene l'été dernier. Vous avez vu les athlètes en partenariat avec la marque arborer ces couleurs flamboyantes. Si la gamme est complète, avec des modèles avec un maximum d'amorti, des modèles plus légers et un modèle spécifique pour les femmes, la Deviate Nitro 2 propose de nombreuses améliorations par rapport à la première version. Cette première version, nous l'avions testée en début d'année 2021. Cette nouvelle version garde son tarif très accessible compte tenu de la concurrence à 160 euros. La première version avait séduit les utilisateurs et les nombreux tests produits qui ont eu lieu partout en France ont permis aux coureurs de redécouvrir la marque sous ce nouvel angle. Sans changer le prix et en gardant les forces du premier modèle, les équipes de Puma ont largement fait progresser ce modèle phare. La semelle intermédiaire intègre désormais une partie en mousse Nitro Elite, une mousse plus haut de gamme, plus tendre et plus réactive que la mousse Nitro Foam qui était présente dans le modèle l'an dernier. Et elle est toujours présente, mais en une petite partie sous le talon. Vous ressentirez donc la différence lors de la pose de l'avant du pied. La chaussure est légèrement plus courbée pour améliorer la bascule sur l'avant. Le chaussant et l'accueil du talon a été revu pour revenir à quelque chose de plus classique et peut-être moins élitiste. Le dessin de la semelle d'usure a été revu également. Difficile d'évaluer la différence de grip, mais la matière est bonne, elle accroche bien et l'usure est très limitée. C'est un point important, on sait que la semelle pèse lourd dans une chaussure. Il faut souvent faire des compromis entre la durabilité de la semelle d'usure et la légèreté du produit. A noter que le modèle femme n'est pas une simple réduction de taille sur le modèle homme, mais qu'il est développé en prenant compte des besoins spécifiques. Un chaussant avec un talon plus étroit et des adaptations sur la cambrure et la forme du coup de pied. Au niveau du poids, j'ai constaté une petite dizaine de grammes en plus par rapport à la version 1 pour s'établir à 273 grammes pour un 43. Le drop est de 8 mm. J'ai pu utiliser ce modèle durant ma préparation cet été pour le marathon de Londres et j'ai été agréablement surpris de sa polyvalence. Aussi agréable sur les séances de fractionné rapide que sur des sorties longues. J'avais un très bon souvenir du premier modèle qui m'avait surpris pour ses qualités et la nouvelle version est encore mieux. En particulier, le mélange de mousse Nitro Foam et Nitro Elite qui apporte une bonne sensation de pied aussi bien dans le renvoi d'une séance à haute intensité que le confort d'une sortie longue. Si vous cherchez une chaussure performante, polyvalente et que vous voulez découvrir les apports de la plaque de carbone, je vous invite à tester cette nouvelle version de la Puma Deviate Nitro 2. Si ce petit retour d'expérience vous a permis de découvrir un nouveau modèle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à laisser un pouce bleu. À bientôt !